bien. Avant de commencer la vidéo, je suis vraiment désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde, vous êtes beaucoup. C'est pas pour ça que je ne vois pas vos commentaires. Donc ne soyez pas triste, je vais essayer d'en refaire une autre plus tard ou vous passerez dedans. Par contre, si je peux vous donner un conseil pour une FAQ, quand vous voulez me poser une question sur mes vidéos, regardez déjà les commentaires parce qu'il y a une question qui vient, moi je la prends et s'il y a une autre la même, je peux pas la prendre parce que je vais pas répondre 14 fois à la même question. Donc voilà. Par contre, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner en dessous, activer la petite cloche. Et donc maintenant, si tu es abonné, bienvenue dans la famille. On commence. Coucou. Combien as-tu de frères et de sœurs? Quel était ton plus grand rêve petite? PS, je t'adore, continue tes vidéos, gros bisous. Alors, j'ai trois frères et j'ai deux sœurs. Mon plus grand rêve quand j'étais petite, c'était devenir chanteuse. Je chantais tout le temps, j'étais là. Montre-nous et parle-nous de ta sœur. La voilà. Donc voilà, elle se coiffe les cheveux. Vas-y, tu peux les coiffer. Mais je vais parler d'elle. Hein. Tu coiffes tes cheveux, tu dis rien. Elle a 10 ans. Elle va avoir 11 ans le 11 juin. Ah, c'est pas vrai. C'était une blague. Hein. C'est pour ça que le 19 juin. Hein. Sa passion, c'est la danse. Et un peu la gymnastique. Voilà. Donc voilà. Et on m'a demandé de montrer ses cheveux. Regardez-moi ses cheveux. Bonjour. Hey, regarde en brune. J'ai une photo de moi en brune, je vais vous la mettre là. Reste là. As-tu un copain? Si oui, il s'appelle comment? Il s'appelle Manu. 6 ans que je suis avec. Les cheveux de ta soeur mesurent combien? Alors on va mesurer tes cheveux. Bon, reculer un peu le pépette. Attention. Oh mon dieu. Il mesure 67 cm. Tout ça. C'est énorme, hein? Il mesure 24 cm. Bah oui, c'est ça. Tu vois pas, hein? 61. 24 cm. 24 cm, c'est ça. Est-ce que mes cheveux mesurent ça? Pourrais-tu faire une vidéo de slime? Alors, je ne sais pas faire de slime. Ma soeur, oui, elle va vous les montrer. Enfin, je peux toucher. Hein. Oui. Alors, ça, c'est celui que j'adore. Elle fait trop bien les slimes. Hein. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment le bruit du slime. Alors, on me demande si j'ai un animal de compagnie. Normalement, il ne peut pas monter dans ma chambre parce qu'il perd beaucoup ses poils. On vient de le laver, donc il n'est pas très beau. Mais le voilà! Princesse! Elle vient d'être lavée, donc elle n'est pas très belle. Mais elle s'appelle Princesse. Elle a 5 ans. Tu la descends, tu vois, c'est mon chat. Attention, elle a 20 ans, elle est très vieille. Fais coucou! Voilà, je la remets. Chat, il a 20 ans, c'est un très très vieux chat. Avec quoi tu montes tes vidéos? Alors je monte mes vidéos avec Filmora. J'aimerais trop passer dans cette vidéo, mais tu es passé dans ma vidéo, bisous. La série que t'adores? Je ne regarde plus de séries parce que j'aime plus trop la télé, mais avant je regardais Awkward et j'adore. Pourquoi le nom Gwen Online? À base, je m'appelle Gwendoline, hein. Ok les gars, si vous saviez pas, voilà, Gwendoline. Quelqu'un qui m'a donné l'idée Gwen Online et je trouve ça super cool parce que Gwen Online c'est un peu la même chose que Gwendoline. Et Gwen Online, ça veut dire en ligne. Coucou ma chérie! Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer YouTube? Bah parce qu'on avait déménagé dans un appartement avec mes parents et je m'ennuyais dans cet appartement parce qu'il n'y avait rien à faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas commencer ma chaîne YouTube et j'ai commencé. Et maintenant on a déménagé, on est dans une maison et je continue parce que j'adore. Penses-tu que YouTube te rendra populaire ou bien tu le fais pour le plaisir? Bah pour l'instant je le fais pour le plaisir. Pourrais-tu faire des vidéos où je montre des photos de moi petite? Sinon continue comme ça, je suis là depuis ta deuxième vidéo. Merci beaucoup, c'était là depuis la deuxième. Par contre je pourrais vous montrer des photos de moi petite mais il faut que j'en retrouve. Par contre j'en ai une que je vais vous montrer. Ça c'est moi avec mon papa. Enfin à la base on est comme ça. Mais c'est moi avec mon papa. Vous avez vu? On dirait ma soeur, hein. Salut, dans quelle ville de Belgique habites-tu? J'adore tes vidéos, continue comme ça. J'habite à Namur. Quoi comme études? Je t'adore. Je fais des études de décoration. Donc décoratrice d'intérieur. Tu habites dans quelle partie de la France? Bisous, tu es magnifique, je t'adore. Je n'habite pas en France, j'habite en Belgique. D'où viens-tu et que penses-tu des Français?
Je viens de Namur. Je suis née à Namur, mais j'ai vécu à la frontière française. Mon papa est d'origine française et ma maman belge. Donc je suis belgo-française. Quelle était ta pire connerie en classe? Oh, moment story time. Ne faites pas ça parce que c'est pas bien. Un jour j'étais en classe, comme ça j'étais en première S. Et il y avait un garçon, il m'ennuyait tout le temps. Et on était aussi, j'ai oublié de dire, on était au quatrième étage. Et il m'ennuyait, j'étais là, arrête, tu arrêtes de m'ennuyer. Bref, il jouait avec sa farde là, il m'énervait. Et puis à un moment, je sais plus trop ce qu'il fait. Là, je me lève, je prends sa farde et je la balance du quatrième étage. Pouf! Putain. Ah ouais, bah fallait pas m'ennuyer, c'est tout. Après, la prof, elle m'a crié, elle fait, mais Rodolé, t'es folle ou quoi? Elle m'a dit, demain tu me rends une farde. J'ai trouvé une farde chez moi et j'ai trouvé une farde Bart. Et je lui ai donné, s'il te plaît, mais c'était un garçon. Il était, c'est quoi ça? C'est une farde Bart? Moi, je comprends pas ça. Fin de l'histoire, en fait, je lui ai balancé sa farde par la fenêtre, je lui ai rendu une farde Barbie, et voilà, c'est bon. Coucou, je voulais savoir quel métier tu voudrais faire plus tard. Sinon, je t'adore, continue comme ça, bisous. Bisous à toi aussi. Alors, le métier que je vais faire plus tard, l'année prochaine, je vais aller faire 3 ans de haute école pour faire prof d'art. Quel âge as-tu? Ça fait 1000 fois que je vous dis. J'ai 20 ans. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des pouces bleus, t'abonner. Je te fais d'énormes bisous.